Yahoo Mitibancha, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour l'ouverture de 3 boîtes mystères avec la mascotte Pushin. Donc si la suite vous intéresse, continuez. Donc du coup c'est parti pour observer le packaging. Donc déjà on voit qu'on est sur quelque chose de très rose, très bonbon. On voit Pushin du coup avec un donut normal, on va le retrouver du coup avec plein de trucs en nourriture. Ici du coup on nous met qu'on a une petite peluche et sur la bande rose je pense que ça ne se verra pas. Mais en fait il nous met juste qu'il y a à chaque fois dans une boîte un seul objet. Donc voilà. Donc du coup quand on tourne la boîte, ici on va avoir du coup encore écrit Pushin avec le chat et on a du coup le prix. Donc je les ai achetés à Claire's à 9,99€. Sur le côté on peut voir du coup les peluches que l'on peut avoir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le donut, la tasse de thé. Là je pense que c'est un... J'allais dire un wrap mais non. C'est un autre nom. Bref. La part de pizza, le Pushin en rose avec un cupcake, le hamburger, le cookie et la glace. Donc personnellement celui que j'aimerais le moins posséder ça va peut-être être le rose avec le cupcake et celui-ci. Mais personnellement j'aimerais vraiment tous les avoir. Donc ici on a toutes les informations, le petit détail etc. Et de l'autre côté du coup on se retrouve une fois de plus avec la même illustration. Donc du coup en ce qui concerne le haut voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup c'est la même illustration qu'ici et je suis désolée. Mes boosters sont déglingués. Alors à l'intérieur c'est toujours scellé. Mais mes boosters ont été déglingués tout simplement parce qu'à Claire's il y a des enfants qui vont dedans. Et il y a zéro respect du coup pour ce genre de choses. Donc c'est parti, je me suis munie de mes ciseaux pour que ça soit bien plus facile à ouvrir. Voilà. Donc ici on a le petit point d'interrogation pour savoir du coup qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Donc je sais pas trop si on verra à cause des reflets, mais on a tout simplement le nom de la marque, des petits chats ici de dessiner et on a le mot Pushin d'affiché. Voilà. Donc c'est très très moelleux, mais en même temps c'est des peluches. Hop. Hop. Donc du coup j'ai vraiment eu trop de chance parce que je suis tombée sur celui au cookie et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure mais c'est vraiment le celui que je voulais par-dessus tout. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup lequel vous souhaiteriez avoir par-dessus tout ou celui que vous vouliez vraiment vraiment pas. Moi je confirme que c'est le rose là mais ça passe pas trop. Là encore qu'il soit rose ça passe vraiment parce qu'en plus je l'ai vu en vrai, il est sublime. Mais autant celui-là j'ai un peu du mal. Voilà. Donc c'est parti avec le deuxième booster. Hop. Ah, d'accord. Donc du coup on a eu celui à la pizza et il est vraiment trop trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez mais ils sont vraiment trop choux. Et il rentre dans ma main. Donc il faut savoir que ma main jusqu'au bout du majeur fait 15 cm sans les ongles bien entendu. Donc il est quand même plutôt grand. On va donc terminer avec le troisième booster. Donc n'hésitez pas à aller voir en i. Je vous aurais mis un sondage pour savoir si ça vous intéresse que j'en ouvre d'autres. Parce que personnellement moi je compte m'en racheter d'autres. Donc je veux savoir justement si ça vous intéresse ou pas que je les présente en vidéo. Et oh mince, on a encore celui à la pizza. La vidéo est à présent terminée. J'espère quand même de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas du coup à aller voir dans le sondage pour répondre à toutes les questions. Pensez à me mettre en commentaire du coup lequel vous préférez, le pizza ou le cookie. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve du coup sûrement très vite si le cœur vous en dit pour d'autres vidéos Pushin. Sur ce, à bientôt.